Pour ce prochain bloc, on va s'intéresser aux enjeux de pérennité des entreprises d'économie sociale en alimentation, des entreprises collectives en alimentation, avec Claudia Atomé, qui est chargée de projet. Vas-y, Claudia. Votre micro semble... OK, ça marche. On ne t'entend pas, Claudia? Ou moi, je ne t'entends pas? Oui, c'est bon. Ah, c'est ça. Super. Voilà. merci, Caroline. Et re-bienvenue de la pause. Donc, ce petit bloc, je vais animer, ça va être... la présentation des résultats du projet Territoire Nourricier que Laetitia a porté. Et aussi, on a des gens terrain qui font des projets, certains des projets qu'on a étudiés dans le cadre de Territoire Nourricier qui vont nous parler aussi de leurs expériences. Donc, je commence par vous montrer les trois publications qu'on lance aujourd'hui, qui font le résumé du projet Territoire Nourricier, des choses qu'on a apprises. Et donc, le premier à gauche, c'est celui sur les enjeux de pérennité, les facteurs de succès et les pistes pour réussir. Donc, c'est un peu ce que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est les sept enjeux qu'on a mis en lumière à travers ce projet. Celui dans le milieu, c'est un cahier de cas. Donc, c'est un cahier qui regroupe plusieurs fiches de l'ensemble des projets qu'on a étudiés pour comprendre les facteurs de succès et les pistes pour réussir. Et le troisième, c'est une étude de cas plus approfondie sur les complices alimentaires, qui est un projet à Montérégie dont on va discuter dans le prochain bloc. Donc, je ne m'attarde pas beaucoup sur ça, mais juste pour vous donner l'ensemble de ce qu'on a fait à travers le 2 ans. Et avant de me lancer dans les résultats, je vais présenter les invités qui sont aujourd'hui avec moi. Donc, il y a Michael Daudelin, qui est le directeur général du marché de l'Outaouais, qui est une épicerie éco-responsable en ligne à Gatineau. Colette Cummings, qui est directrice générale du Chic Resto Pop, un restaurant populaire à Montréal. Et Caroline Lévesque, directrice générale des Choux Gras, qui est un centre d'innovation et de régénération en permaculture dans la région de Chaudière-Appalaches. Donc, je vais animer la discussion avec eux par la suite, mais pour commencer, je vais partager rapidement les 7 enjeux et les résultats de la recherche. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que la pérennité organisationnelle? C'était un peu la question à la base des travaux que l'OTIS voulait faire autour des entreprises d'économie sociale en alimentation. On voulait savoir qu'est-ce qui fait en sorte qu'elles peuvent être pérennes, étant donné tous les défis qu'on sait qui sont associés à la production alimentaire, la distribution, la transformation, etc. Et donc, je trouvais important de nommer que la pérennité organisationnelle, c'est en fait un paradoxe. C'est la capacité pour une entreprise d'initier ou de faire face au cours de son histoire à des bouleversements externes ou internes, tout en préservant l'essentiel de son identité. Donc, c'est un peu innover tout en restant fidèle à soi-même. Et c'est pour ça que c'est difficile, puis c'est quelque chose qu'on recherche toujours, la pérennité. Alors, les 7 enjeux de pérennité qu'on a synthétisés en discutant avec plusieurs organisations, aussi avec les partenaires que vous voyez aujourd'hui qui sont avec nous. Aussi, on a fait des recherches dans la littérature. Donc, ça, c'est les 7 enjeux qui se veulent un vocabulaire commun pour permettre de faire référence aux mêmes notions lorsqu'on en discute entre les initiatives, mais aussi avec les acteurs de soutien dans l'écosystème. Il n'y a pas d'ordre précis pour ces enjeux-là, donc il n'y a pas de priorité. Ils vivent en parallèle, en continu. Ils s'influencent entre eux aussi, donc ils sont inhérents à la nature d'une organisation d'économie sociale. Et pour chaque enjeu, je vais nommer un facteur de succès qui résume la capacité dont il faut se donner pour faire face à l'enjeu.
et ainsi que quelques pistes pour réussir, mais sans être exhaustif, vous allez trouver plus d'informations dans les documents eux-mêmes. Alors, le premier enjeu, celui de l'ancrage dans la communauté, est particulièrement important pour les entreprises collectives de par leur nature parce qu'elles doivent répondre à des besoins des territoires qu'elles servent. Donc, pour faire face à cet enjeu, il faut développer une capacité à mobiliser les forces vives du territoire. Pour ce faire, c'est important de tout d'abord connaître les différentes parties prenantes des systèmes alimentaires locaux, leurs expertises, capacités et intérêts. Donc, on en a déjà parlé un peu aujourd'hui, mais il y a de nombreuses parties prenantes. Il y a des personnes qui touchent directement aux aliments et il y a aussi beaucoup de gens qui soutiennent ces projets-là de plus loin, si on veut, mais qui sont tout aussi importants dans l'écosystème. Une autre piste aussi pour réussir, bien, c'est de mobiliser les partenaires à différents moments, par différents moyens, afin qu'ils occupent un rôle qui leur correspond. Donc, ce n'est pas souhaitable que tout le monde participe tout le temps à toutes les décisions et à toutes les instances, mais en connaissant mieux ces acteurs-là, on peut miser sur leurs forces aux moments opportuns. Voilà pour l'ancrage. Le deuxième enjeu est celui de la gouvernance démocratique. C'est quelque chose qui est aussi inhérent aux entreprises d'économie sociale, d'avoir une gouvernance démocratique. Alors, pour faire face à cet enjeu, il faut développer une capacité à organiser l'action collective. Et qu'est-ce que ça veut dire plus concrètement? Bien, tout d'abord, créer un modèle de gouvernance qui permet à l'entreprise de répondre à sa mission. Donc, c'est un modèle qui a une clarté sur les rôles, les responsabilités, les modes de communication entre les différents partenaires, les membres. Ça doit permettre une prise de décision efficace, des processus d'évaluation pour améliorer la gouvernance. Et une autre piste pour réussir, c'est de favoriser l'engagement et le sentiment d'appartenance des membres à l'égard de l'entreprise. Donc, ça, c'est tout ce qui est par rapport à la transparence, l'inclusion des différents membres pour s'assurer qu'ils peuvent pleinement participer, qu'on a l'intelligence collective de tout le monde autour de la table. Le prochain enjeu est celui du leadership et de la gestion stratégique. Pour faire face à cet enjeu, il faut développer une capacité à naviguer avec un groupe à travers la complexité. Donc, c'est amener toutes ces parties prenantes et les membres, etc., vers un objectif ensemble. Donc, puis pour réussir, d'abord se doter d'une clarté stratégique et garder vivante la vision collective. Donc, ça prend une mission, une vision claire qui est partagée. Ça prend aussi une habileté à tenir l'équilibre entre la mission et la viabilité financière. Donc, c'est au niveau du leadership et de la stratégie qu'on fait ça. Aussi, adopter une approche apprenante au service de la mission. Donc, il faut être capable de modifier ses comportements, puis selon les nouvelles connaissances qu'on apprend, changer ses pratiques. Et finalement, prévoir le roulement des personnes qui assurent les rôles de leadership. Donc, c'est important, la passation, pour être sûr que les choses ne se perdent pas d'une personne à l'autre. Le prochain enjeu est celui de l'accompagnement. C'est un peu le nom le dit, là. C'est la capacité à reconnaître les zones d'amélioration et à s'appuyer sur une diversité de perspectives pour faire mieux. Donc, ça fait référence à qui on s'entoure quand on lead des projets comme ça. Tout d'abord, il faut déterminer les besoins d'accompagnement. Donc, ce sont les thématiques ou les enjeux qui sont moins connus ou maîtrisés par l'équipe, par l'équipe ou par les parties prenantes. Donc, on peut, par exemple, se servir de la liste d'enjeux que je présente aujourd'hui pour identifier les zones qui sont moins connues pour approfondir. Il faut aussi choisir des accompagnateurs, accompagnatrices qui ont une rigueur, qui ont une souplesse, qui sont généreuses dans leurs approches. Dans le fond, on veut s'entourer de personnes qui ont à cœur l'apprentissage des ceux et celles qu'elles accompagnent. Et finalement, bien, il faut aussi penser à échanger avec les pairs, donc d'une façon un peu plus informelle, mais ça compte aussi comme un accompagnement. Donc, on apprend les gens qui font des choses similaires à nous. Le prochain enjeu est celui de la proposition de valeur et la stratégie de mise en marché.
Donc, la proposition de valeur et la stratégie de mise en marché, c'est en quelque sorte la structure du projet entrepreneurial. C'est un échafaudage qui relie la mission, les produits ou les services offerts, les bénéficiaires et les partenaires. Il rend explicite la pertinence des produits ou des services et les manières par lesquelles ceux-ci sont acheminés aux bénéficiaires ciblés. Donc, pour faire face à cet enjeu, il faut développer une capacité à acheminer au public cible une offre durable qui répond adéquatement à leurs besoins. Et donc, quelques pistes, c'est d'abord développer une proposition de valeur de qualité et réalisable. Donc, quelque chose qui répond à la fois aux besoins, mais qui est réaliste pour l'organisation, donc qu'on peut réalistement fournir. Et entretenir des canaux de mise en marché diversifiés, communiquer efficacement son offre aux différents publics ciblés. Donc, une fois qu'on a l'offre, il faut aussi être capable de l'acheminer et de bien la communiquer. Donc, par exemple, on adapte les messages selon les différentes clientèles ou bénéficiaires qu'on cible pour s'assurer qu'on arrive au résultat qu'on souhaite. Le prochain enjeu, celui de la gestion financière, c'est clair quand même ce que ça veut dire, mais ça, le facteur de succès, c'est de développer une capacité à mettre les finances au service de la mission. Donc, c'est pas comme on disait tout à l'heure, l'objectif n'est pas de faire du profit pour faire du profit, mais bien pour avoir assez de ressources à investir dans notre mission. Donc, les pistes pour réussir, c'est planifier le montage financier au démarrage. Il y a des petites marges dans le domaine de l'alimentation, donc c'est quand même, il faut bien planifier ces choses pour être sûr qu'on arrive à faire ce qu'on veut. Il faut planifier et garder un contrôle constant des finances. Appliquer une diversité de stratégies pour obtenir des revenus. Donc, on peut penser à différentes façons d'avoir des revenus, que ce soit en vendant les produits et les services, par la finance solidaire, par des subventions, des dons, donc une diversité de sources qui peuvent se complémenter, qui rendent l'organisation plus résiliente. Et finalement, contrôler avec exactitude les dépenses. Donc, on va chercher des revenus diversifiés, mais du côté des dépenses aussi, il y a des choses qu'on peut faire pour diminuer nos dépenses, peut-être en ayant des méthodes de travail qui sont plus efficaces et en partageant, par exemple, des ressources, en mutualisant avec d'autres organisations ou d'autres partenaires. Et finalement, l'enjeu de la gestion des opérations. Donc, après tout ça, la gestion des opérations, c'est la capacité à mener toutes les étapes de production de l'offre. Donc, une fois qu'on a ciblé ce qu'on veut fournir comme service ou comme produit, mais il faut être capable de le fournir de façon soutenue. Donc, les pistes pour réussir, c'est de, premièrement, choisir soigneusement et fidéliser son équipe. Il faut avoir les bonnes personnes autour de la table et les bonnes conditions de travail qui favorisent l'expérimentation. Parce qu'on, comme on dit, c'est des entreprises qui innovent, qui testent des choses qui n'ont pas déjà été tester. Donc, ça prend une culture d'expérimentation à l'intérieur et c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à qui prend place dans l'équipe et comment on continue à favoriser ça à long terme. Ensuite, se doter d'infrastructures et de technologies adaptées aux activités spécifiques de l'initiative et des processus qui permettent à l'équipe de s'en servir. Donc, c'est sûr, c'est avoir les ressources qui sont nécessaires, mais aussi de s'assurer qu'on peut les utiliser en interne. Donc, avoir les bons outils, les bons processus. Et finalement, mutualiser des ressources avec d'autres initiatives. Je l'ai déjà mentionné à d'autres endroits, mais c'est cette idée de partager des pratiques, de s'inspirer aussi de ce que d'autres organisations font. Donc, voilà pour les 7 enjeux. Je voulais juste mentionner, remercier en fait, comme j'ai fait tout à l'heure, le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Direction générale de la santé publique pour avoir financé ce projet, pour qu'on puisse vous partager ces apprentissages. Donc, merci. Et maintenant, j'aimerais retourner voir nos invités. Si vous voulez allumer vos caméras, je ne vois pas tout le monde, fait que je ne suis pas sûre.
tout le monde est là, Claudia. Tout le monde est là. C'est ça, moi, je ne vois pas. Est-ce que Stéphane, tu pourrais me mettre peut-être en galerie pour que je puisse voir tout le monde? Merci. Alors, on a Caroline, Michael, puis Colette aussi, qui est parfait. Tout le monde est là. Donc, merci beaucoup d'être là avec nous. Pour rappeler, donc ce sont des organisations qui ont généreusement participé à l'étude que l'OTIS a fait. Et donc, j'ai pensé à eux pour venir aujourd'hui pour expliquer un peu comment ces sept enjeux ou une partie de ces enjeux se manifestent plus concrètement dans le détail de leurs organisations. C'est toujours plus parlant quand on peut avoir des exemples bien concrets. Donc, j'ai prévu quelques minutes pour chacun d'entre vous. Donc, je vais commencer par Michael. Si tu veux prendre 8 minutes à peu près pour présenter, puis ensuite, on passera à Colette et à Caroline. Oui, bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Oui, merci Claudia pour ce travail-là. C'est toujours intéressant. Nous, on est beaucoup dans l'action, puis c'est le fun d'avoir un peu un pas de recul, de dire, OK, bien, c'est quoi les défis un peu, puis qu'est-ce qui se passe? Puis je pense que c'est vraiment intéressant. Là, ça nous permet de nous rappeler certaines choses qu'on savait qu'on avait oubliées ou des choses de dire, OK, oui, il ne faut pas passer à côté de ça, c'est important. Puis on n'a pas toujours évidemment le temps là, de s'asseoir puis d'appeler tous les autres projets qui existent puis d'essayer de faire un tour de table. Fait que merci de faire ce travail-là. Fait que c'est ça, dans le fond, Michael Daudelin, je travaille pour le marché d'Outaouais. Le marché d'Outaouais, qu'est-ce que ça fait concrètement? Là, son objectif, c'est de rendre accessibles les produits de la région de l'Outaouais aux consommateurs. Fait que c'est de créer le lien là, entre les producteurs et les consommateurs. Fait que c'est vraiment, on travaille en circuit court là, pour la vente. Puis plus concrètement, le marché d'Outaouais, c'est une coopérative de solidarité qui regroupe trois catégories de membres. Les membres producteurs, évidemment, membres consommateurs et membres travailleurs. Puis, dans le fond, c'est une initiative citoyenne, là, ça a été mis sur pied en 2008. Puis, elle a plus ou moins là, un chiffre d'affaires annuel d'un million. Évidemment, avec la pandémie, c'est là qu'on a eu une forte croissance. Là, le chiffre d'affaires a quadruplé depuis. Fait que c'est une bonne nouvelle là, pour nous. Ça a vraiment été un petit coup de pouce là, pour remettre le vent dans les voiles là, puis avoir une meilleure perspective d'horizon. Fait qu'au niveau des enjeux, évidemment que je pense que l'ancrage dans la communauté, c'est vraiment la base. Là. C'est, on est une coopérative, si on ne répond pas aux besoins, puis on n'est pas ancré dans notre milieu, je pense que c'est la première étape, il ne faut vraiment pas l'oublier. Puis dans le fond, nous, c'était intéressant, le marché de l'Outaouais, historiquement, notre mission, c'est de desservir et de rendre accessibles les produits aux gens de l'Outaouais, mais historiquement, ce qu'on avait fait, c'est qu'on desservait uniquement le secteur de Gatineau. Fait qu'évidemment, là, on est un peu dans des enjeux, c'est ce qu'on se travaille là, depuis les dernières années, c'est de voir comment on pourrait distribuer sur l'ensemble du territoire. Évidemment, c'est des défis logistiques, des défis de communication et autres, mais c'est vraiment une des choses où on veut mieux réaliser notre mission. Là. C'est écrit dans notre mission, ça s'appelle aussi le marché de l'Outaouais et non le marché de Gatineau. Fait que c'est une des choses qu'on veut faire, là, c'est mieux répondre aux besoins du territoire au complet. Mais évidemment que ça apporte plusieurs défis, mais on travaille là-dessus, là, évidemment, en se faisant accompagner. Au niveau de la gouvernance, c'est vraiment intéressant. Le marché de l'Outaouais, tu sais, comme je disais tantôt, on est une coop qui a des membres producteurs, consommateurs et travailleurs, puis qui, évidemment, tout le monde a des intérêts qui se rejoignent des fois, mais pas toujours. Puis un des changements qui a été fait, je pense qu'il était un peu l'élément déclencheur là, dans le changement de philosophie au marché d'Outaouais, puis une certaine croissance. Dans le fond, historiquement, le marché d'Outaouais était beaucoup géré par des membres consommateurs, qui est une excellente chose, dans le fond, pour répondre à leurs besoins. Évidemment, quand tu es consommateur, tu es sur le conseil d'administration, tu es capable de nommer les choses qui répondent à tes besoins de consommateur. Par contre, au niveau des producteurs, je pense qu'ils étaient moins représentés. Puis, dans le fond, le marché d'Outaouais s'est fait accompagner là, par la coopérative de développement régional Outaouais-Laurentides. Puis, dans le fond, ce qui a été fait, c'est de rajouter des membres sur le conseil d'administration, changer des membres pour qu'il y ait plus de membres producteurs. Puis, évidemment, là, ça a beaucoup changé. Moi, je suis rentré en poste là, dans les mêmes années que le changement a été fait. Puis, on voyait le changement de philosophie, évidemment. T'sais, les producteurs sont habitués avec des prêts, des marges de crédit. Ils sont plus habitués avec les outils financiers. Ils ont moins peur de ça parce que souvent, en agricole, ils ont déjà des grosses dettes puis ils sont à l'aise avec ça. Fait que clairement, ça a changé la mentalité puis ça a mis un peu plus de dynamisme au niveau de dire, OK, ben, on va développer, on va avoir plus de services.
Sinon, pour l'enjeu de la gestion stratégique, ben, tu sais, évidemment, puis le leadership, une des choses qu'on travaille là, depuis les dernières années, c'est un peu d'assumer aussi notre rôle de leadership. Je pense initialement, le marché avait une vision un peu plus, tu sais, travailler vraiment dans Gatineau. Puis maintenant, je pense qu'on assume plus, là, qu'on s'appelle le marché de l'Outaouais, fait qu'on veut vraiment développer. On va avoir beaucoup plus de producteurs, beaucoup plus de membres consommateurs. Puis la vision un peu a changé. Là. Les producteurs sont plus à l'aise avec une vision de croissance du chiffre d'affaires égale une croissance de la mission. Dans le fond, avant, c'était vraiment intéressant. Là. Avant, c'était plus une idée de dire, bon, on veut garder ça le plus petit possible. Mais évidemment, je pense que plus qu'on consomme local, mieux que c'est. Fait que à partir de là, que les producteurs là, étaient beaucoup plus à l'aise là, de dire, on va augmenter le développement. Sinon, au niveau de l'accompagnement, évidemment, je pense que c'est une des clés du succès. Là. En agricole, souvent, moi, je suis producteur maraîcher aussi, puis on pense qu'on est capable de tout faire. C'est une fausseté. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller chercher de l'expertise. Nous, dès le début, on est accompagné par notre coopérative de développement qui nous accompagne régulièrement sur les enjeux. Entre autres, j'ai parlé de la gouvernance, mais d'autres enjeux pour assurer la vie associative, les défis, même les montages financiers. Là, on travaille en état de collaboration. Sinon, au niveau, dans le fond, nous, on a changé notre plateforme de vente en ligne. Là, dans le fond, on avait une plateforme depuis plusieurs années qui n'avait pas été mise à jour, fait que c'était quand même assez central. On fait de la vente en ligne, mais notre outil, on ne l'a pas très bien soigné. Fait que on était accompagné par une consultante pour vraiment développer, se faire accompagner, comment travailler avec les développeurs. Fait que ça, je pense que c'est vraiment intéressant là, d'avoir les experts de la question. Oui, on fait de la vente en ligne depuis 2008, mais ça évolue vite, puis on n'a peut-être pas évolué aussi vite que ça a évolué. Fait que d'avoir des gens qui c'est leur travail tous les jours, je pense que ça fait une grosse différence. Ça enlève la pression aussi. Là, le conseil d'administration est très, très rassuré qu'il y a une consultante à l'externe qui s'assurait que ça se passait bien puis qu'on n'allait pas se planter. Nous, on fait majoritairement que de la vente en ligne. On avait une boutique aussi, mais qui était très petite. Fait que, disons que la transition là, de la plateforme, c'était un moment stressant, mais on était assez confiants vu qu'on était accompagnés. On n'a pas fait ça tout seul par nous-mêmes. La même chose au niveau de la logistique. Là, quand on veut couvrir un territoire comme l'Outaouais, c'est beaucoup d'enjeux de logistique, de transport. Puis, je pense que d'être accompagné, ça fait toute la différence. Là. Ça fait qu'on est beaucoup plus confiants à chaque étape. Au niveau de la proposition de valeur, ben, tu sais, je pense que c'est intéressant. Là, c'est toujours un peu un défi. T'sais, on parle de local, là, OK, ben c'est quelle échelle locale? Nous, on avait une politique de 150 km. Je pense qu'on a été un peu plus flexible avec la pandémie puis avec l'évolution des choses. On essaie d'être plus pragmatique. Fait que s'il n'y a pas dans notre région, on va aller essayer de chercher les produits dans une autre région. S'il n'y en a pas, on va aller au Québec, après on va aller au Canada, ainsi de suite. Fait que, t'sais, je pense que d'être un peu plus flexible, je pense que c'est apprécié par certains consommateurs. Évidemment, d'autres consommateurs sont un petit peu plus rigide à ce niveau-là, puis il y a des tensions, mais ça, je pense que c'est normal. Il y a toujours des tensions pendant qu'il y a un changement. Fait quoi? Sinon, au niveau de la gestion financière, je pense que nous, un des constats, c'est que quand moi, je suis arrivé au marché, il y avait beaucoup de mentalité de se limiter. On n'est pas capable financièrement, on ne peut pas agrandir les champs de foire, on n'a pas les moyens. Puis je pense que, tu sais, là, on a travaillé avec les producteurs, qui c'est quoi nos besoins, qu'il faut changer la plateforme, il faut agrandir nos chambres froides. On a chiffré ça. Puis après, aller chercher le financement, je pense que quand tu as un projet solide, c'est pas un défi. Puis au final, on a investi quasiment 400 000 dans les deux dernières années. Fait que je pense que ça, c'est intéressant. Mais évidemment que la pérennité financière, c'est toujours un défi. Puis il faut s'adapter, puis trouver une nouvelle solution. Je pense que c'est un défi dans les prochaines années. L'alimentaire, c'est un secteur très, très, très compétitif. Puis on le voit, là, il y a beaucoup de joueurs qui apparaissent. Puis tant mieux qu'il y ait plus d'offres de produits. Mais nous, ça nous force aussi à être créatifs là, puis à rester au goût du jour. Au niveau des gestion des opérations, je pense que c'est sûr que c'est un défi pour tout le monde. Puis il faut bien maîtriser ça. Puis nous, une des clés qu'on a travaillé beaucoup, là, c'est la mutualisation. Puis je pense que je vais finir là-dessus. C'est quelque chose de vraiment intéressant. Nous, on le voit, là, c'est un levier très intéressant, la mutualisation. Dans le fond, on essaie de faire les ponts avec le plus d'organismes qu'on connaît, que ce soit des coopératives, des OBNL ou peu importe, que ce soit le secteur privé. On aime ça travailler en partenariat. Puis pour donner des exemples, nous, dans le fond, notre livraison à domicile est faite par un organisme communautaire.
dans le fond, il y avait une vanne réfrigérée qui faisait déjà du transport. Fait qu'ils font notre livraison à domicile. Eux sont contents, ça optimise leurs ressources. Ça crée aussi un emploi plus à temps plein. Puis ça leur crée évidemment des revenus parce que nous, c'était la solution la plus intéressante. On est contents aussi. Puis les consommateurs sont contents de savoir que leur livraison à domicile, bien, elle finance un organisme communautaire. On travaille aussi avec Moisson Outaouais à faire des campagnes là, qui permettent de ramasser de l'argent puis d'acheter des produits locaux pour redonner à des gens qui sont en besoin. Et entre autres, on a fait des paniers de Noël. Puis j'étais bien content de savoir qu'il y avait des tartes au sucre faites par une cabane à sucre locale qui étaient redistribuées. Ça, je pense que ça ferme la boucle là, de dire ben on fait fonctionner notre économie. Tout le monde est gagnant au lieu que ce soit des produits d'ailleurs. Fait que je pense que la mutualisation, là, c'est un beau levier vraiment simple et utile. Puis c'est aussi de l'action concrète. Là, ça permet d'apprendre à se connaître. On parle plus à Moisson Outaouais depuis qu'on fait des projets comme ça ensemble. Fait que je trouve que c'est une bonne façon de commencer là, à travailler ensemble. Merci, Michael. C'est super tout ça. Je passerai la parole à Colette pour un petit 8 minutes de partage. Oui, bonjour tout le monde. Merci d'être présent et de nous offrir cette opportunité-là. Nous, le chez Christo Pop, on est situé sur Montréal, donc le quartier Hochelaga-Maisonneuve, depuis 38 ans. On est dans une vieille église du quartier, donc un défi. L'espace et tout ça, on a vraiment... un grand espace. On réalise des repas à moindre coût. Donc, on produit presque 4 millions, depuis l'ouverture, 4 millions de plats cuisinés qui sont produits dans nos installations, nos cuisines à l'interne. Donc, c'est un processus. Il y a beaucoup de ressources. On a présentement... On a 45 membres qui ont adhéré à notre coopération. Nous avons 33 employés à temps plein et 220 bénévoles qui viennent nous soutenir dans nos opérations. Donc, ce que je peux dire, c'est qu'on est une entreprise d'insertion socio-professionnelle et on organise, on est un organisme au BNL, donc on est... sans but lucratif présentement. Notre chiffre d'affaires est autour de 2,7 millions, 2,8 millions. Et notre mission, c'est de voir à combattre l'exclusion des personnes sous toutes ses formes, de développer leur capacité d'organisation personnelle et leur rôle social par le biais des activités structurés dans le domaine de l'alimentation, de la santé, de l'éducation ou de la solidarité avec les acteurs du milieu. Nos valeurs, c'est l'égalité, donc le sens du bien commun, la solidarité, justice et le respect des personnes, des ressources et l'autonomie aussi. On privilégie beaucoup. La clientèle et notre public cible, nos activités sont concentrés surtout pour venir en soutien aux familles ou aux personnes défavorisées ou à faible revenu. Donc, c'est la réinsertion aussi des personnes qui ont perdu leur emploi, qui ne sont plus sur le marché du travail depuis de nombreuses années. Donc, on a la possibilité d'offrir une formation, soit en aide éducation pour les CPE, ou alors dans les cuisines, toutes les tâches qu'on retrouve dans une cuisine. C'est-à-dire qu'on a des accompagnateurs pour superviser ces gens qui viennent en employabilité et on offre une formation et un diplôme pour qu'ils puissent réintégrer le marché du travail. Ça, c'est une valeur qu'on a rajoutée depuis plusieurs années et qui a vraiment un impact important pour nous. Notre gouvernance, comme un OBNL, on a un conseil d'administration et c'est le conseil d'administration qui gouverne avec les directeurs, la haute direction, toutes les opérations
de nos activités, c'est-à-dire location de salles, employabilité, les plats. On a les plats chic resto pop, donc c'est la restauration de dons. Et on a aussi un volet qui est la création de nos plats surgelés qu'on distribue soit par à tous les jours, par livraison. On a un véhicule, une employée qui se rend chez les personnes pour livrer nos denrées. Et on les confectionne ici au chez Christopa. Les propositions qu'on a visent à démontrer l'impact dans notre milieu. Ça, c'est très important pour nous d'avoir cet impact-là. Combien de plats on produit, combien de plats on livre et ce qui permet de combattre l'exclusion dans la communauté. Donc, le quartier Hochelaga-Maisonneuve, pour ceux qui le connaissent, c'est l'un des premiers quartiers qui a ouvert les repas aux personnes défavorisées. Par la suite, ça s'est développé un peu plus grand sur l'île de Montréal, mais la plus grande concentration est dans Hochelaga-Maisonneuve. Je pourrais dire, on privilégie beaucoup, on favorise le développement social, culturel, professionnel, par la professionnalisation, mais aussi on favorise l'insertion socio-culturelle professionnelle. On offre des services alimentaires à la clientèle. C'est des plats qui sont produits avec des produits achetés, les produits surgelés. C'est des produits qu'on achète à faible coût. Parce qu'on a des quantités, des quotas d'achat regroupés, ce qui nous permet d'offrir nos plats à des prix raisonnables. Et sinon, on a le volet restaurant, qui est une table où on offre des repas à un coût de $4.50 pour un repas de 4 services. Ça peut être pour les personnes défavorisées, mais c'est aussi dans le quartier pour l'employabilité, c'est-à-dire les entreprises du quartier qui viennent dîner ici. Et c'est perçu comme un don pour offrir des repas aux personnes qui sont défavorisées. Donc, ce n'est pas un repas acheté, mais c'est un don pour obtenir le repas. Alors, c'est notre façon de faire la promotion dans notre quartier. Qu'est-ce que je peux dire de plus? Nos repas à la salle à manger, on offre 200 repas par jour. Avant la pandémie, c'était jusqu'à 300, mais là, je vous dirais qu'on est en train de reprendre nos opérations régulières. Avant, on offrait le dîner et le souper. Présentement, c'est que le dîner. On prévoit offrir le souper à partir de l'automne seulement à la rentrée. Parce qu'on a, comme bien d'autres organismes, une difficulté de ressources. Hein? On a toujours le conflit de la compétition des postes vacants avec le marché du travail versus ce que les entreprises peuvent offrir. Alors, on vient faire l'apprentissage et souvent, nos employés se trouvent de meilleurs emplois avec une meilleure rémunération. Mais pour les conserver, ce que nous faisons, c'est qu'on offre des bonifications, des échanges, des façons de valoriser leur travail, de reconnaître leur connaissance. Ce qui nous permet de les conserver pour certains postes clés. On est très proche aussi de notre voisinage parce qu'on offre on a un marché de fruits et légumes le mercredi, jeudi, vendredi à des prix vraiment minimes. On est associé avec un regroupement qui nous permet d'offrir des produits très peu chers, de très bonne qualité. Et on offre aussi, durant la période estivale, un jardin urbain. Donc, pour permettre aux gens, pour les jeunes de voir l'apprentissage, la connaissance, de faire pousser des fruits, des légumes, plutôt des légumes.
et aux personnes de groupes ethniques d'améliorer leur connaissance des produits plus populaires ici au Québec et de faire des échanges avec eux sur des produits qu'on pourrait développer ici. Et surtout, ça brise l'isolement des personnes. Donc, ça nous permet plus d'une mission de reconnaissance. On fait aussi des ateliers avec les enfants. Le vendredi, on reçoit des enfants d'école qui viennent apprendre à cuisiner des plats qu'ils pourront reproduire à la maison. Donc, c'est une autre façon de concrétiser la sécurité alimentaire à moindre coût. Et pour ce qui est du volet de notre mise en marché, présentement, on fonctionne beaucoup avec les médias sociaux. Facebook est notre fidèle ami et le bouche à oreille. Donc ici, on n'a pas malgré notre budget, on a un manque à gagner, comme tous les OBNL. On ne bénéficie pas d'achat de publicité à l'extérieur. Donc, on privilégie depuis 38 ans notre bouche à oreille qui fonctionne très bien et on a une bonne reconnaissance. Notre réseau de distribution, c'est du porte-à-porte. On fait la livraison comme très bientôt, on va avoir la cabane à sucre. On va produire, cuisiner un repas de cabane à sucre. Bon, on va faire toutes les maisons du quartier pour annoncer notre repas. Alors, habituellement, on sert jusqu'à 500 repas, famille ou individu. Et nos principaux partenaires ici, c'est des partenaires du milieu, donc des entreprises de notre région. Le CIUS de l'Est de Montréal, et Moisson Montréal, qui est un gros partenaire, et Emploi Québec dans notre programme d'employabilité. Alors voilà, c'est à peu près les éléments que je pouvais partager avec vous. C'est certain, comme partout, les OBNL, notre plus grand défi, c'est le financement. Alors, on a développé un nouveau projet d'employabilité avec un professionnel de la philanthropie qui devrait nous permettre d'aller chercher du financement privé. Alors, voilà. Merci, si vous avez Colette. D'autres questions? Merci, Colette. Merci beaucoup. J'ai passé la parole à Caroline pour être sûre qu'on a le temps de savoir aussi qu'est-ce qui se passe dans son organisation et comment ses défis se jouent. À toi, Caroline. Merci beaucoup. Puis je suis super inspirée d'être ici aujourd'hui, puis entendre les autres projets, puis de participer dans ce. En tout cas, merci de m'avoir invitée. C'est ça, nous autres, c'est la coop Les Choux Gras. C'est une coopérative de solidarité. On a des membres consommateurs, des membres de soutien, des membres producteurs et des membres travailleurs. Je pense que ça fait le tour. Donc, nous autres, on travaille avec beaucoup différents types de membres. On a quatre lignes d'affaires. On fait la formation, l'accompagnement de projets, des aménagements nutritifs, puis la production. On a un site aussi sur lequel on fait la production. Sur notre site, ça implique aussi, on fait la production maraîchère, on est en train de développer une pépinière, des forêts nourricières aussi sur notre site, des genres de parcs nourriciers. Puis, on a aussi, il y a tellement de monde ici, on est une belle coopérative, et on est full de monde ce matin, et je suis désolée s'il y a du bruit qui se passe en arrière-plan. C'est ça. Donc, sur le site aussi, on a une boutique. Donc, notre objectif, on est vraiment jeune. Là, ça fait juste, on commence notre quatrième année, cinquième année, d'opération. Fait que, on est comme des ados. Là. T'sais, on sort de l'enfance, puis là, on vit tout le rock'n'roll de l'adolescence aussi, là, présentement. Fait que, c'est ça, notre objectif, c'est de distribuer les produits de nos membres producteurs. Puis, on,
C'est ça, j'avais plein de choses qui viennent en tête aussi. Fait que, tu sais, on fait une collaboration aussi avec Nourrir, comme tu as mentionné, dans les enjeux là, de créer des liens avec d'autres organismes. Fait que nous autres, on explore la possibilité de faire la distribution en vrac, mais comme un genre de micro-cellule, parce qu'on est en campagne. On est à Saint-Damien de Buckland, qui au fin fond de Bellechasse, au sud de la ville de Québec. Mais on a un impact sur le territoire de Chaudière-Appalaches avec des projets d'accompagnement. Comme l'année passée, on a travaillé avec la table des saines habitudes de vie pour accompagner des jardins collectifs puis le développement des jardins collectifs sur le territoire. Nous autres, on fait de la permaculture, ce qui veut dire beaucoup de choses, puis rien du tout. C'est, dans le fond, nous autres, on se base sur l'écosystème comme modèle. Fait que notre coopérative, on le perçoit comme un écosystème de personnes. Puis notre point de départ, c'est que la nature et l'humain, c'est pas deux choses, c'est une chose. Fait que toute notre prise de décision, notre gouvernance, c'est ça, nos opérations, c'est basé sur cette perspective. Fait que chacun a un rôle à jouer dans cet écosystème, comme les vers de table. Tantôt, j'ai mentionné par rapport à l'économie circulaire, qu'un exemple, c'était le compost. Bien, quand on regarde dans l'écosystème, les plantes font la photosynthèse et nourrissent tout le reste de l'écosystème. Quand la plante meurt, c'est décomposé par les décomposeurs pour être réutilisé par les prochaines générations de plantes. Et pour moi, pour nous autres, c'est vraiment des exemples, des modèles très concrets sur lesquels on se base avec l'écosystème. C'est ça. Au départ de la coop, c'était une idée qu'une groupe de personnes ont eue pour vraiment contribuer à l'économie locale, puis à la souveraineté alimentaire. Nous autres, on utilise de plus en plus ce terme-là parce qu'on veut vraiment transformer le système, puis trouver d'autres façons, puis impliquer tout le monde. Fait que nos membres, on les invite, c'est toujours des invitations d'être le héros de votre histoire écologique, puis de participer. Fait qu'on on cherche toujours à créer des opportunités de collaborer, de participer, de créer des projets dans nos communautés, puis d'accompagner l'évolution, le développement de ces projets. Parce que nous, ça a commencé, comme je disais, comme c'était une idée que le monde alentour d'une table ont eu là, de démarrer ce projet. Fait qu'on encourage le monde qui ont décidé de démarrer des projets de souveraineté alimentaire, de forêt nourricière, de jardin collectif, que ça soit. Puis on encourage beaucoup que ça soit collectif, des projets collectifs aussi dans les communautés. Puis, donc, comme j'ai mentionné, on a toutes sortes de membres. On fait notre propre production ici aussi sur notre site. Puis quelque chose que je voulais juste mentionner, on a créé un programme de troc dans le fond. Fait qu'on a nos objectifs de production collective. T'sais, on fait des paniers, on vend au marché public, on fait de la distribution de nos produits issus de notre site. Mais on invite nos membres de venir participer à la production 3 heures par semaine en échange pour un panier pour l'été. Puis ça, c'est magnifique, c'est tellement un grand succès, puis ça crée vraiment le sens d'appartenance, puis parce qu'une coopérative, ça appartient à ses membres. Fait que ça, je trouve, c'est vraiment intéressant comment, dans notre culture, puis quelqu'un l'a mentionné dans l'autre atelier avant, il mentionnait que notre structure qu'on a en place, c'est très corporatif, c'est des entreprises privées qui sont en place. Fait qu'on a, toute notre structure est en place pour appuyer ce genre d'entreprise. Puis c'est vraiment, c'est tout un apprentissage au niveau individuel aussi d'apprendre à collaborer, c'est quoi une coopérative, puis qu'ensemble, on peut aller plus loin, puis, tu sais, on a vraiment peur de se faire avoir. Ça fait partie de notre
culture, on a une blessure, là, je dirais, profonde à ce niveau-là. Puis nous autres, ça fait partie de nos activités, c'est de rassurer le monde là, que vous n'allez pas vous faire avoir. On travaille ensemble, on collabore, on co-crée toutes sortes de projets ensemble. Puis je voulais juste amener, comme je ne passerai pas à travers de tous les enjeux, mais par rapport à la rentabilité, c'est tellement important. Puis c'est comme ça qu'on va assurer notre pérennité. On a bénéficié de subventions puis d'appui financier de différents partenaires, mais notre objectif, c'est vraiment d'atteindre la rentabilité puis pouvoir réinvestir dans notre projet. Puis ça, c'est juste aller chercher le plus d'appui puis de partenaires pour vous aider à atteindre ça. Là, c'est tellement important. C'est ça. Nous autres, c'est les enjeux pour nous là, présentement, c'est la stabilité financière parce qu'encore, on est des jeunes, une jeune entreprise. Ça fait à peu près le tour. Je voulais juste laisser un peu de temps aussi que si on avait d'autres choses à dire ensemble. Oui, merci beaucoup, Caroline. Et merci à vous trois. En fait, c'est vraiment généreux d'avoir partagé avec nous vos apprentissages pour le projet et aussi de venir aujourd'hui parler de vos projets. Puis je trouve ça intéressant aussi de voir, j'ai essayé de choisir une diversité d'organisations, autant dans le milieu rural qu'urbain, des coopératives, des OBNL, des organisations qui œuvrent depuis très longtemps, comme le Chic Resto Pop ou un peu plus récemment. Donc, ça montre un peu la diversité des projets et des approches qu'on peut avoir autour de l'alimentation. Donc, merci beaucoup à vous trois. Puis, je dirais aussi qu'il y a plus d'informations dans le cahier de cas. Donc, pour chacune de ces organisations-là, vous allez trouver plus de détails. Et aussi, n'hésitez pas à contacter nos trois panélistes pour discuter ou de poser plus de questions si vous en avez. On va essayer de répondre en parallèle par écrit aux questions, mais pour respecter le temps, on passerait à la prochaine activité pour être sûr qu'on finit pour midi. Donc, Caroline, je te repasse la parole. Merci tout le monde. Puis, mais oui, si vous avez encore quelques minutes, que vous restez connectés, là, les panélistes, il y a entre autres une question dans le QER sur l'aspect légal de la vente de repas transformés ou de plats issus de dons, là, quand on reçoit des dons alimentaires. Donc, si vous avez le temps d'aller répondre par écrit, je pense qu'il y a plusieurs personnes qui seraient intéressées à avoir une réponse à cette question-là.